nous avons, en tout cas pour cela, le plaisir d'accueillir trois personnes de la CCMSA. Donc, Madame Pascale Barroso, qui est responsable du fonds, Monsieur Gérard Bernadac, qui est médecin en charge du risque chimique à la CCMSA, et Monsieur Christophe Fuseau, qui est médecin chef du fonds d'indemnisation. Bienvenue à vous. Merci. 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 Donc, on va vous expliquer un petit peu la chronologie, en fait, l'historique, et puis le but, en fait, de la création de ce fonds. Oui, tout à fait. Donc, peut-être que Pascal, tu veux commencer? OK, d'accord. Bonjour tout le monde. Donc, effectivement, je suis Pascale Barroso et je suis responsable du département santé à la Caisse centrale et j'ai été pilote du projet Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Donc, voilà, le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides a été créé par l'article 70 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2020. Concrètement, juste un petit rappel. Avant la création de ce fonds, avant la création de ce fonds, les possibilités de réparation se posaient exclusivement dans le cadre du droit commun des accidents du travail et maladies professionnelles, à la fois au régime agricole et au régime général, avec des différences entre les régimes. Donc, comme vous le savez, dans le cadre du régime agricole, la reconnaissance d'une pathologie due à l'exposition aux pesticides est possible soit par présomption d'imputabilité lorsque la maladie est désignée dans un tableau spécifique en lien avec les pesticides, c'est le tableau 58, maladie de Parkinson, ou tableau 59, notamment hémopathie maligne, et que les conditions du tableau sont réunies, soit par la voie complémentaire qui est le C2RMP dans le cadre du droit commun. Lorsqu'au moins, un des critères requis fait défaut ou que la pathologie n'est pas désignée dans un tableau. Et au régime général, il n'existe pas de tableau spécifique dédié aux pesticides, ce qui ne laissait aux assurés que la possibilité de reconnaissance par la voie complémentaire. Donc, comme l'avait souligné le rapport IGAS-IGF de 2018, ce dispositif entraîne certaines difficultés voilà, qui ont été mises en exergue dans ce dispositif, dans ce rapport. Donc, et par ailleurs, la couverture dans le cadre du droit commun AT-MP exclut les non-salariés retraités avant 2002, ainsi que les enfants qui ont été exposés aux pesticides durant la période prénatale. Et puis, les indemnisations diffèrent en raison de l'hétérogénéité des décisions qui sont prises par les comités de reconnaissance des maladies professionnelles. Et enfin, les règles d'indemnisation, elles sont distinctes en fonction de s'il s'agit d'un salarié ou d'un non-salarié. Alors, fort de ces constats, la loi de financement pour 2020 a créé le FIVP, le Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, qui a été complété par un décret d'application. Donc, concrètement, ce fonds permet aux victimes exposées aux pesticides, du fait de leur activité professionnelle, de bénéficier d'une centralisation des demandes par la création en son sein d'un comité de reconnaissance des maladies professionnelles unique en charge de traiter toutes les demandes dans le cadre du système complémentaire. Il permet aussi une amélioration du niveau d'indemnisation des prestations en espèces, c'est-à-dire les indemnités journalières et les rentes pour les non-salariés. Afin de rendre l'indemnisation plus proche, au plus proche de celle pour les salariés. Et puis, il permet une extension du bénéfice de l'indemnisation aux non-salariés agricoles retraités avant la création de la loi, avant la création de la branche accident du travail des exploitants agricoles, donc avant 2002. Quant aux enfants exposés durant leur période prénatale, dans le cadre de l'activité professionnelle de l'un des parents, il dispose désormais d'un droit à indemnisation et la réparation est établie selon un barème forfaitaire qui doit être défini par arrêté ministériel après avis du conseil de gestion. Et ce barème forfaitaire est en cours de réalisation. Donc, sachez que le fonds est adossé à la caisse centrale. C'est le directeur de la caisse centrale qui est directeur du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. La loi ainsi que le décret lui permet de déléguer toute une partie du fonds à une caisse. Donc,
Ce choix a été fait par le directeur général de la Caisse centrale de déléguer à la mutualité Mayenne Hansart la gestion, enfin l'instruction des demandes. Alors, en matière de financement, s'agissant du financement, il est assuré à la fois par des contributions annuelles du régime général, de la branche des accidents du travail des salariés agricoles, de la branche des accidents du travail des exploitants agricoles, également du régime ATMP d'Alsace-Moselle, ainsi que par la taxe qui est versée par les fabricants de pesticides sur les ventes de produits phytopharmaceutiques. Et ce dispositif prévoit que si toutes ces contributions, c'est-à-dire toutes ces dotations, sont inférieures aux dépenses, donc parce que ces dotations sont des recettes, donc si elles sont inférieures aux dépenses, dans ce cadre-là, c'est la branche AT des salariés qui viendra financer le différentiel. Ok, merci Pascal. On vous a fait une définition, on vous a remis la définition des pesticides, donc qui sont concernés par évidemment le fonds d'indemnisation, donc les phytopharma, tout ce qui est herbicides, insecticides, etc., fongicides, les biocides, les désinfectants des bâtiments, protection des graines, et les produits vétérinaires sont inclus, donc pommades antiparasitaires notamment. On va revenir sur ce qu'a dit Pascal. Donc, le but en fait de la création du fonds, les objectifs, c'était d'harmoniser les instructions des demandes de maladies professionnelles, parce que comme Pascal vous a dit qu'il y avait des différences entre le régime général et le régime agricole, il y avait une inégalité d'accès à ce droit-là, d'harmoniser les taux également d'incapacité permanente partielle puisqu'ils sont décidés, proposés du moins, par les cinq médecins de la MSA Mayenne-Sarthe, d'indemniser les non-salariés comme le régime des salariés, on va dire ça, puisque en fait, dès le premier pourcent, 1% de taux d'IPP donne lieu à une indemnisation chez un non-salarié si c'est en rapport avec les pesticides, sinon c'est à partir de seulement 30%. Et puis la grande nouveauté, les deux grandes nouveautés, c'était aussi par mesure d'équité, d'intégrer les personnes retraitées avant 2002, au niveau de la TEXA, avant la création de la TEXA, et de proposer également un droit à indemnisation pour les enfants exposés en phase prénatale. Quand on regarde les populations principalement concernées, donc vous avez les salariés agricoles, les non-salariés agricoles, les salariés du régime général, les caisses générales de sécurité sociale, les anciens donc non-salariés ainsi que leurs conjoints et leurs aides familiales bénéficiaires d'une retraite agricole qui ont cessé leur activité avant la création de la TEXA, donc 1er avril 2002, salariés et non-salariés de la caisse locale Alsace-Moselle, donc en fait, il y en a trois caisses locales, et puis sont en train quand même de taper à la porte des organisations comme la SNCF, la RATP, les agents de la fonction publique. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas bénéficier en tant que professionnels d'une reconnaissance en maladie professionnelle liée aux pesticides. À côté de la population professionnelle, il y a donc les enfants. Donc les enfants qui sont atteints d'une maladie, d'une malformation, d'une altération du développement, et qui, il y aurait un lien d'imputabilité direct avec une exposition prénatale aux pesticides, donc maintenant sont inclus. Quand on regarde la population, quand on revient à la population professionnelle, il y a quand même quelques exclusions. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont déjà été reconnues en maladie professionnelle en lien avec les pesticides avant le 1er janvier 2020, notamment pour les révisions de taux ou les rechutes, ne sont pas concernées par le fonds. Et puis, les personnes qui ont eu un refus avant le 1er janvier 2020, soit parce que le tableau n'était pas créé, soit parce que le tableau, rien des critères n'était pas respecté comme un délai de prise en charge, la personne peut faire une demande si, exclusivement s'il y a une révision du tableau ou une création. Donc, on vous a mis le délai d'instruction
Pour les enfants, c'est un peu particulier, c'est 6 mois. Alors, Gérard, tu vas nous présenter un exemple de tableau. Oui, je mets voilà le son il y est. Je remets la vidéo. Voilà. Alors effectivement, mes collègues vous ont parlé de tableaux de reconnaissance en maladie professionnelle. Donc, je pense qu'il est utile qu'on vous montre ce que c'est qu'un tableau, puisque c'est ni plus ni moins un tableau avec plusieurs colonnes. Alors l'intérêt de ce système, c'est que aussi bien la victime que l'instructeur, hein, en l'occurrence là, Christophe Fuseau qui vient de vous parler, n'ont à vérifier la relation directe de cause à effet, parce que c'est toujours très difficile de vérifier une relation causale certaine entre un pesticide et donc une pathologie. Et donc, on passe par un système et des tableaux qui définit précisément les critères donnant droit automatiquement à la réparation. Alors, donc, ces tableaux, ben, là, vous en avez un, hein, c'est celui dont parlait Pascal, le 59, hein, hémopathie maligne provoquée par les pesticides. Donc, vous avez 3 colonnes. La première, c'est la maladie. Donc, lorsque votre pathologie est exprimée sous cette forme et le diagnostic correspond à un lymphome malin non hodgkinien, donc, c'est-à-dire incluant la leucémie lymphoïde chronique et le myélome multiple, enfin peu importe, c'est des maladies du sang, si vous voulez. Premier critère. Deuxième critère, si vous avez, troisième tableau, un métier qui correspond aux tâches qui correspondent et qui sont écrites dans ce tableau. Alors, dans ce cadre-là, vous avez des listes qui sont indicatives. Donc, à la limite, dès que vous utilisez les produits phytosanitaires, peu importe le métier, vous êtes inclus dans le dispositif. Et quelquefois, il y a des listes limitatives. Hein, donc, il faut qu'elles soient expressément écrites dans le tableau. Et vous avez au milieu 2 autres critères. Quelquefois, il n'y en a qu'un, hein, qui est ce qu'on appelle le délai de prise en charge, c'est-à-dire le délai après, au-delà duquel, après la cessation de l'exposition, vous pouvez toujours déclarer la maladie et donc être reconnu. Et quelquefois, il s'y ajoute une durée d'exposition minimale. Là, en l'occurrence, c'est 10 ans. Donc, en gros, vous avez 60 ans, vous êtes parti à la retraite et donc vous avez arrêté l'utilisation des pesticides. Jusqu'à 60 et 10 ans, vous pouvez déclarer votre maladie, si toutefois vous l'avez, hein, lymphome malin, il vaut mieux pas. Et on vous demandera une condition d'utilisation des pesticides pendant 10 ans. Donc voilà les critères. Et donc, une fois que l'instruction objective, ces 3 éléments, la prise en charge est faite. Donc, autre diapositive. Alors, quel est l'intérêt finalement de ces tableaux? Donc, c'est qu'il n'y a aucune obligation de prouver, je vous l'ai dit, la relation de cause à effet, ce qui évidemment facilite la tâche. Hein. Pascal vous a dit qu'il y avait ceux des RMEP antérieurs aux CRMEP uniques une hétérogénéité de décision, bah, tout simplement parce que la preuve, la difficulté de la preuve est délicate à obtenir. Donc, ça facilite la prise en charge des travailleurs, c'est plus simple. Hein, on va dire qu'il est favorable aux travailleurs parce qu'il inclut de fait des faux positifs, mais les pouvoirs publics ont dit que ce n'était pas gênant. Hein, donc, on élargit un peu l'assiette de prise en charge pour qu'elle soit favorable aux salariés. Et donc, ça s'appelle le principe de la réparation médico-légale, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'apporter la preuve, elle est de fait dans le tableau. Et dernière diapo pour ma part. Je ne vous ai pas parlé de la notion d'exposition, parce qu'entre le métier et puis la durée d'exposition, il y a le terme exposition, c'est-à-dire qu'il faut définir, et dans le tableau, vous n'avez pas vu parce que je ne l'ai pas lu, mais il y a la notion d'exposition habituelle. Alors, habituelle, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que c'est quelque chose qui est conforme à la profession. Si le traitement de la banane, ben, ça dure en général, on va dire, 2 mois de l'année ou 1 mois et demi de l'année, il ne suffit pas que vous ayez fait 12 mois de traitement, il faut que vous soyez en gros dans la moyenne
des applications, et même si vous l'avez fait que la moitié du temps, c'est pris en charge. Donc, il y a une ouverture assez grande, hein, des critères d'inclusion. Et quant à l'exposition, le mot exposition, ben, c'est comme quand vous êtes exposé au soleil, vous recevez les rayons du soleil et donc ben, ils ont un effet sur votre peau. Et là, c'est pareil, l'exposition, on considère que c'est les pesticides qui, quelque part, ont pénétré de manière succincte, bien sûr, dans votre organisme et ont pu provoquer les effets sans que vous ayez, encore une fois, à prouver que même en ayant pris les gants, en ayant utilisé du matériel sophistiqué ou autre, vous n'avez pas réussi à vous protéger. Le simple fait de les avoir utilisés, on considère que l'exposition est là. Donc, vous voyez, il y a des critères assez larges, hein, permettant d'éviter la plupart des discussions ou la plupart des éléments qui auraient pu finir au tribunal s'il n'y avait pas ce système de mis en place. Voilà, donc je ne vais pas au-delà de ça. Merci, Jérôme. Alors, on va passer en revue en fait, les missions du Fonds pesticides. Donc, on va être en amont. D'abord, la caisse d'affiliation, donc en l'occurrence, les caisses générales de sécurité sociale, qui gardent en fait le tri des dossiers éligibles ou non au fond. C'est-à-dire que le médecin conseil va dire si c'est une pathologie caractérisée et surtout qui serait susceptible d'être en rapport avec les pesticides. Donc, il faut que ce soit noté quelque part, il faut qu'il y ait une description même succincte qu'il y avait une exposition aux pesticides. Le dossier arrive en MSA Mayenne-Ansart, où là, on va instruire. Donc, on va regarder ce que vous a présenté Gérard, c'est-à-dire les colonnes du tableau. Si la pathologie est bien dans un tableau, on va vérifier la désignation, c'est ce qu'on appelle la désignation, c'est la première colonne. On va déterminer la date de première constatation médicale de la maladie, la durée d'exposition, le délai de prise en charge, ça c'est la colonne 2, et puis la liste des travaux. On va récupérer toutes les données des différents services, donc la médecine du travail d'un côté, le contrôle médical ou l'échelon local du service médical de l'autre. Et si jamais l'un des critères des colonnes n'est pas rempli, on va élaborer un rapport pour le fameux comité de reconnaissance des maladies professionnelles, qui est un comité d'experts, donc des spécialistes dans les pesticides, des professeurs, des PUPH, etc., donc de l'INSERM ou autres, qui, eux, vont statuer sur le lien de causalité lorsque le tableau existe, la maladie est bien inscrite dans un tableau, mais les critères de durée, de délai de prise en charge ou de notion de pesticide n'est pas très clair. On notifie, et puis une fois que c'est consolidé, on détermine le taux d'incapacité. Je reviens sur l'élaboration du rapport CRMP. Vous avez un autre cas, comme vous a expliqué Pascal. Donc, le premier cas que je viens de développer, c'était le cas où la pathologie existe dans le tableau, donc pour des salariés agricoles, non salariés agricoles du régime agricole. C'est le 58-59, c'est-à-dire maladie de Parkinson d'un côté et les hémopathies malignes provoquées par les pesticides. Si jamais, le deuxième cas, si jamais la pathologie n'est pas désignée, ça peut être un cancer qui n'est pas prévu dans les tableaux, un cancer du sein, etc. Là, à ce moment-là, on est obligé évidemment de le passer devant ce fameux comité de reconnaissance des maladies professionnelles, puisqu'il n'y a pas de tableau et c'est ce qu'on appelle le système complémentaire dédié aux pesticides. Donc, je reprends, une fois que l'accord a été donné, soit en direct par la MSAMOS, soit par le CRMP, on détermine, une fois que le médecin conseil a décidé de la consolidation, on détermine le taux d'incapacité permanente partielle en commun, c'est-à-dire qu'on est là par exemple, je le ferai après. En MSAMOS, on est composé de 5 médecins conseils et de 2 infirmières. Et ce collège de médecins conseils plus les infirmières qui nous aident dans la préparation des dossiers, le collège des 5 va être chargé d'étudier collégialement le rapport du médecin conseil pour déterminer le taux d'IPP et pour vérifier lors de l'instruction également si le médecin conseil qui est instruit, donc du groupe des 5, là, a fait bien le travail, en gros.
Et d'un autre côté, donc ça c'était pour les professionnels, d'un autre côté, il y a les enfants. Les enfants, on va voir comment ça se passe, mais le rôle de la MSA Mayenne-en-Sarthe, c'est de définir l'indemnisation forfaitaire pour les enfants. Alors, quand on regarde la constitution du fonds par les différents organes, vous avez un conseil de gestion, donc qui est national, qui regroupe les ministères, un président, le directeur de la Caisse centrale, et vous avez en fait les autres partenaires, la FNSEA, l'industrie des pesticides, l'association de défense des victimes des pesticides, des représentants syndicaux, et puis des personnes qualifiées en pesticides, notamment de l'INSERM et en réparation du dommage corporel, plus le médecin du fonds. Le but de ce conseil de gestion, c'est de définir l'organisation générale, mettre en place le règlement intérieur, de nommer les membres du fameux comité de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que de la médicale qui est chargée, la commission d'indemnisation des enfants, qui est chargée de vérifier le lien de causalité entre la pathologie de l'enfant et l'exposition aux pesticides des parents. Ce conseil de gestion approuve le rapport annuel, hein, c'est-à-dire qu'on rend compte de notre travail et de tous les accords qui ont donné, directs, non directs, etc. Et le profil des personnes qui ont eu un accord ou un refus. Le conseil de gestion également a comme mission de définir, comme vous disiez Pascal, le barème d'indemnisation des enfants, puisque celui-là n'existe pas. Donc il faut le créer. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas encore décidé. Ils sont en train de travailler dessus et on devrait avoir des nouvelles mai-juin. À côté de cela, donc, le comité de reconnaissance de maladies professionnelles, donc, qui est national, dédié aux pesticides. Vous avez un médecin conseil. Donc, actuellement, c'est un médecin de la CNAM et ou un des trois médecins conseils MSA qui est chargé de participer au comité. Il y a un médecin du travail qualifié en matière d'exposition aux pesticides et un prof d'université. Donc là, vous avez affaire à deux experts qui sont chargés de déterminer s'il y a un lien de causalité entre la maladie et l'exposition aux pesticides. Donc des gens qui sont nommés pour 4 ans. Actuellement, on tourne, c'est-à-dire qu'il y a au total il y a 7 experts et 4 médecins conseils. Donc on tourne en fonction des séances pour qu'il y ait toujours 3 personnes afin d'avoir le quorum nécessaire. Donc ils étudient toutes les pathologies désignées, donc tout ce qui était dans les tableaux, mais comme je vous ai dit, dont les critères n'étaient pas remplis. Et ils étudient également toutes les pathologies non désignées, avec un certain taux d'incapacité prévisible. Donc, ce sont des maladies qui entraînent un risque certain avec un retentissement certain. Le secrétariat est assuré par le fonds, c'est-à-dire par Pascal notamment. Ce comité émet un rapport d'activité, etc. Et ce qui est important, c'est ça. Aussi, c'est informe le fameux conseil de gestion si un dossier aurait un retentissement particulier. Le fait de reconnaître une nouvelle maladie, ça va engendrer forcément des changements, une réflexion sur la création d'un éventuel nouveau tableau, etc. Et puis également d'aligner le régime agricole et le régime général au niveau des tableaux. C'est-à-dire que le but aussi du fonds, c'est de pouvoir indemniser et reconnaître les maladies professionnelles de façon égalitaire, donc avec au final les mêmes tableaux de maladies professionnelles. On reviendra là-dessus avec Pascal tout à l'heure. La commission d'indemnisation des enfants, donc pareil, il y a un président, 2 personnes ayant des connaissances dans l'appréciation du risque liée à l'exposition, et puis 2 professeurs d'université spécialisés dans le domaine de pathologies infantiles liées aux pesticides. Et il y a le directeur du fonds avec une voix consultative. Donc, l'émission, c'est détermine s'il y a un lien entre la pathologie de l'enfant et l'exposition prénatale à des pesticides. Et puis, on ne vous l'a pas mis, mais il devrait aussi intervenir dans au cas où ils reconnaissent le lien de causalité dans la détermination du retentissement de cette pathologie sur les différentes sphères de la vie. Ils font également un rapport d'activité, informent également le conseil de gestion s'il y a un dossier avec un retentissement
particulier, c'est-à-dire avec une pathologie qu'il retrouve à plusieurs reprises dans les différents dossiers. Enfin, il y a une autre commission de recours amiable qui est adossée à la caisse centrale, qui va en fait gérer tout le contentieux sur les fameux taux d'incapacité qui déterminent en fait la mise en place de l'indemnisation. Pareil, c'est toujours la même, les autres missions, le rapport d'activité, pareil, informe le conseil de gestion qui, vous voyez, en fait, est le pilier des instances. Voilà. Pascal, je continue sur les résultats. Ça va ? Ok. Brièvement, on vous fait une petite carte postale des dossiers que l'on a traités du 1er janvier 2020. Au 28 février 2021. Donc, il y a eu, en gros, c'était 214 demandes, donc 11 du régime général. C'est le début. Hein. 90 dossiers sont passés à l'heure d'aujourd'hui au CRMP parce que c'était soit des pathologies qui ne correspondaient à aucun tableau, soit elle correspondait à un tableau, mais les critères n'étaient pas respectés. Pour les instructions directes par la MSA Mayenne-Ansart, il y a eu 21 accords de Parkinson, 29 pour le 59, donc les lymphomes, les myélomes, toutes les hémopathies malignes, toutes les maladies du sang. Il y a eu 4 accords pour l'arsenic, un accord benzène, 3 accords implicites parce qu'on arrive en fin de délai, pour des pathologies qui étaient inscrites au tableau, donc c'était des Parkinson en fait. Et puis un accord d'une MP66 du régime général. Voilà. Il faut savoir que depuis le 1er janvier 2021, on observe une multiplication par 3 du nombre de demandes. Pascal et Gérard, je vous laisse la main. Vas-y, Pascal. Comme vous le savez, donc le gouvernement a mis en place, a publié récemment, là, début mars, le plan chlordécone 4, qui prévoit bien sûr ce nouveau plan. Il est pour la période 2021 à 2027. Il a pour objectif, il a. Six stratégies dans ce plan permettant de couvrir l'ensemble des enjeux et priorités pour la population. Ce qu'on peut vous préciser, c'est que bien sûr le FIVP est là pour également prendre en charge les demandes qui sont liées à une exposition à la chlordécone. Et que dans le cadre de ce plan 4 de la chlordécone, il a pour objectif, il y a un axe qui concerne l'amélioration et la réparation, donc l'amélioration de la réparation des travailleurs exposés à la chlordécone et à d'autres pesticides à usage agricole dans un contexte, bien sûr, de mise en place du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Pour ce faire, les pouvoirs publics nous ont demandé de travailler donc en concertation avec, bien sûr, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé et la Caisse nationale d'assurance maladie afin d'informer et d'accompagner les assurés dans leur démarche de déclaration de maladie professionnelle. Et donc, dans ce cadre-là, plusieurs axes de communication vont être mis en place, notamment dans le cadre, il va y avoir une information qui va être diffusée, y compris auprès des professionnels de santé, afin que les patients puissent bénéficier, effectivement, s'ils en remplissent les conditions, hein, de la reconnaissance de la maladie professionnelle liée à une exposition aux pesticides, dont la chlordécone, au titre du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Donc, les axes de communication sont en cours.
un vis-à-vis des professionnels de santé. Nous sommes en train de mettre à jour le site Fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Voilà, il va y avoir toute une partie sur ce site aussi qui concerne l'exposition à la chlordécone. Nous devons également mettre à jour un support, un guide tout public qui pourra être déposé aussi bien dans les centres d'action sociale que dans les caisses générales de sécurité sociale. Ce sera un support général sur le parcours de déclaration de la maladie professionnelle. Et puis, un troisième axe qui consiste, et donc là, on sera plutôt sur à échéance 2022, qui consiste à former le personnel de l'action sanitaire et sociale des caisses des CGSS, justement pour leur permettre de mieux accompagner les assurés en vue de l'indemnisation de leur prise en charge de leur maladie professionnelle, avec bien sûr toujours le lien avec le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. Gérard, tu veux… Non, c'est vraiment… Peut-être bien préciser qu'il s'agit d'une exposition professionnelle à la chlordécone, hein, et pas liée, bien sûr, à l'exposition au sol, à l'environnement, à la nourriture, aux eaux, etc., qui effectivement est un problème, mais qui ne relève pas du fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. C'est bien une exposition professionnelle que vise le fonds. Merci. On voulait vous donner aussi les coordonnées du fonds. Donc, comme a évoqué Pascal, il y a eu la création d'un site dédié, un site spécifique, dont l'adresse s'affiche en bas de la diapo, qui vous permet en fait d'avoir toutes les informations nécessaires sur comment on saisit le fonds. Et vous avez une foire aux questions, des explications sur la reconnaissance, les démarches, etc. Donc, petit à petit, ce site va être étayé au fur et à mesure des données législatives. Et puis, on a créé aussi un numéro national gratuit, donc des équipes dédiées au niveau de la MSA MOS qui sont joignables, donc du lundi au vendredi. Vous avez les horaires, vous avez le numéro et vous pouvez les contacter pour tout renseignement, en fait, sur la démarche. Est-ce que ça concerne le fond ou pas? Quelquefois, il y a un doute. Donc, les équipes dédiées peuvent vous répondre. Voilà, j'espère qu'on ne vous a pas trop perturbé, ça va, parce qu'il y a pas mal d'infos. Mais... le sujet est tellement vaste. Oui, tout à fait. Mais... on a l'impression d'avoir dit une petite partie, mais là... Non, en tout cas, première chose, merci beaucoup d'avoir si rapidement répondu à cette invitation. On va peut-être laisser aux personnes présentes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait intervenir sur la thématique? Alors, on a des observations. Merci pour ces précieuses informations. Jordi, merci. Voilà. Oui, s'il vous plaît. Si c'est possible d'intervenir. Ah oui, bien sûr. Je vais poser une question. Donc, je me présente, je suis le docteur Jahan et je suis médecin inspecteur du travail sur la région Antilles-Guyane, donc particulièrement intéressée par ce sujet, ayant aussi travaillé avec tout le monde sur le plan chlordécone 4. Mais c'est vrai que je suis assez... pas étonnée, parce que ce n'est pas d'étonnement, mais je suis dépitée de voir qu'il y a, et ça je le savais, qu'aucune demande n'a été faite dans le cadre des CGSS, que ce soit Martinique ou Guadeloupe. Donc ça veut dire que les gens manquent d'informations là-bas, ça c'est certain. Ce que je voulais savoir, c'est à l'heure actuelle, là, les gens des travailleurs agricoles,
peuvent très bien déclarer, si, parce qu'il y a des, il y a des cas, hein, ça je sais, enfin, pour avoir discuté avec les CGSS, il y a des gens qui ont fait, qui ont des maladies de Parkinson et qui ont, sont travailleurs agricoles, il y a des gens qui ont, font des hémopathies, ils peuvent faire des déclarations. Oui, madame. Et en plus, on a eu une lettre ministérielle qui, très récemment, qui en fait explique que pour les salariés agricoles des CGSS, ils peuvent bénéficier des tableaux oui. de la MSA, donc 58-59, donc Parkinson, oui, et tout à fait, sans passer par le CRMP. D'accord. Donc ça permet une facilitation. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc clairement, oui. À l'heure actuelle, si un ouvrier agricole qui présente une maladie de Parkinson et qui a été exposé voilà, dans une bananeraie, par principe, il peut faire une déclaration au titre du tableau correspondant. Tout à fait, madame. Et du coup, ça passerait, ça irait directement au fonds d'indemnisation. Alors, en fait, vous avez deux entrées. Je peux peut-être laisser Pascal. Alors, il y a deux entrées, soit la Caisse générale de sécurité sociale, voilà, puisque le dispositif législatif et réglementaire prévoit que soit le dossier est déposé auprès de la caisse d'affiliation de l'assuré. Oui, bah ça va être le cas. Oui. Voilà, ça c'est GSS. Soit il peut faire sa demande directement auprès du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. D'accord. Ils peuvent passer directement au fonds d'indemnisation. D'accord. Ils peuvent directement aller au fonds d'indemnisation. D'accord. Et avec si c'est cancer de la prostate, du coup, ça passera en C2RMP. En CRMP, oui. Oui, parce qu'il n'y a pas de tableau. D'accord. Bah oui, tout à fait, d'accord. Il peut faire déclaration directement, mais évidemment avec les pièces médico-légales quoi, qui constituent le dossier, c'est-à-dire la déclaration d'un côté, et puis le certificat médical initial descriptif. Quoi. Voilà. D'accord. Alors, ce qu'on peut peut-être rajouter, c'est qu'on vient de faire une maintenance sur le site du fonds. Justement pour mettre à disposition les formulaires de demande de maladie professionnelle de chacun des régimes. Donc, voilà, pour permettre aussi aux assurés sociaux d'avoir plus rapidement le document réglementaire qui est la demande. Et parallèlement sur ce site, sont explicitées les démarches, à savoir que cette demande doit être accompagnée du certificat médical initial. Etc. Donc, c'est assez didacticiel sur le site du fonds pour justement essayer d'aider les assurés dans leur démarche. Oui, après, le souci, c'est que les ouvriers agricoles aux Antilles, là, il y a quand même des difficultés au niveau de l'accès à l'Internet, au site, et puis voilà. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il a été demandé dans le cadre du plan de chlordécone un accompagnement, en fait, une aide administrative, parce que faut pas se voiler la face. Hein. S'il n'y a eu aucune déclaration pour l'instant, c'est parce que les gens savent pas comment faire. Ça, c'est clair. Et ils ne sont pas suffisamment bien accompagnés là, sur ce sujet-là. Oui, c'est, voilà, c'est tout. Effectivement, là-dessus, vous avez raison. C'est tous les travaux donc, qu'on a commencé à débuter sur ce sujet-là. Voilà, avec, bien sûr, une mise en place de relais locaux de premier niveau et puis une mise en place de second niveau. Voilà, on va essayer de faciliter les choses et surtout de travailler auprès des professionnels de santé aussi, qu'ils puissent accompagner les assurés dans ces démarches. Oui, je peux peut-être vous apporter comme précision, nous avons eu début avril une demande de la CGSS Martinique. Ah, d'accord. Nous avons une deuxième. Oh, vraiment? Oui. Ah, c'était bien. C'est peu, mais c'est un début. C'est un début. Oui, tout à fait. Et on alors, sent... d'accord, bah, c'est bien. Et du coup, il faudrait que je leur demande de me transférer les demandes parce que normalement, les caisses sont censées nous transmettre à nous, médecins inspecteurs, les demandes de maladies professionnelles. Donc, il faut que je leur demande parce que j'avoue que ça m'intéresse de savoir ce genre de choses. Mais alors, après, il y avait une autre question, mais je n'ai pas trop ça dans la tête. Il n'y a pas des délais, il n'y a pas un délai aussi de
pour déposer les dossiers, il n'y avait pas un truc comme ça. À un moment, dans toutes les réunions qu'on a pu avoir, j'avais l'impression qu'il y avait une notion de délai imparti pour... Non ? Alors, il y a un délai d'instruction des demandes ? D'accord, délai d'instruction, oui. Non, c'est délai de dépôt. Non, il n'y a pas... Alors déjà, il faut que les documents, entre guillemets, enfin, faut qu'au moins l'un des deux, c'est-à-dire le certificat médical initial et ou la déclaration, soit postérieur au 1er janvier 2020. Déjà. D'accord. Donc, ce n'est pas des D'accord. gens qui vous présentent des documents datant d'avant. Ça ne concerne pas le fonds. Le fonds prend… Mais c'est juste pour la déclaration. Si le CMI, il est avant, ça ne marche pas non plus. Ah si, parce qu'il y a un dispositif de rattrapage dans la loi. Il y a un dispositif de rattrapage de 10 ans, et ce jusqu'au 31 décembre 2021. C'est-à-dire que si le CMI oui, est extérieur, voilà. Et par contre, pour les retraités, il n'y a pas de durée. Il n'y a pas de limite. Donc, voilà. On a des gens qui nous envoient un certificat médical initial de 2021, par exemple, mais oui. dont la première constatation médicale de la maladie date d'il y a 20 et quelques années. Oui, d'accord. Oui, ça, d'accord. Il y a tous les cas de figure, en fait. Il y a la pathologie qui vient d'être découverte, et là, il y a une déclaration, ou la pathologie est ancienne, mais toujours nécessite des soins. D'accord. Après. Et puis après, on peut espérer que le tableau de cancer de la prostate va sortir un de ces jours. Ah. Peut-être. Les choses peuvent évoluer. Oui. Dans quel sens ? Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci oui. de votre intervention. C'est bien. Ça va ? C'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde et entre autres pour les ouvriers agricoles, c'est vrai que c'est fort compliqué. Et ils se sentent très démunis, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir cette information et puis la sensibilisation aux travailleurs sociaux, comme vous disiez, Pascal. Ça va aller, les choses se mettent en place petit à petit. On voit déjà, nous, à notre niveau, qu'il y a des différences, voilà. Il y a les différents acteurs comprennent de mieux en mieux l'impact de ce fonds et l'intérêt. Alors, nous avons dans le chat une question de Madame Lacoma qui vous dit donc, comment ceux exposés professionnellement au chlordécone peuvent accéder directement à ces informations de premier niveau via un réseau de médecins traitants du travail ou le médecin conseil ou via des associations référentes. Comment ça se passe ? Gérard, Pascal. Alors, effectivement, ce que vous souhaitiez ou ce qui souhaiterait cette dame, c'est donc quelque part que les gens aient connaissance de ce qu'on vient de dire ici, puisque en fait, tout y est hein, dans l'exposé, même s'il est succinct, hein, s'il est très court, mais il n'y a pas besoin de plus d'informations. Alors, où sont-elles ces informations ? Ben, sur le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, hein, au niveau du ministère, vous l'avez. Il y aura aussi sur le site de la MSA, aussi, c'est en cours, hein, donc une information centrée sur le fonds. Donc, il est quasiment fini, il est en cours de préparation. Vous aurez les éléments nécessaires pour déclarer, les délais, etc., les procédures. Et puis, vous avez aussi des associations de victimes. Alors, je sais qu'il y en a une qui va s'installer aux Antilles, une parmi celles qui sont le plus en vue en métropole, qui a décidé de s'installer, je ne sais plus si c'est en Guadeloupe ou en Martinique. Pour justement c'est en Martinique aussi... pour l'instant. Oui, c'est en Martinique, pour participer oui. Effectivement aux conseils donnés aux populations telles que vous les décrivez. Donc, a priori, ce n'est pas trop compliqué. Alors, il est à espérer que, comme le disait Pascal, après que les médecins aient été informés, ils soient capables de transmettre ces informations à leurs patients. Parce qu'il faudra quand même qu'ils passent par leur médecin traitant, hein, c'est la meilleure des choses à faire. Alors, quelque part, j'ai compris que le travailleur des Antilles avait pas l'habitude, ou en tout cas moins l'habitude que les autres, d'aller voir leur médecin traitant. J'ai compris ça au travers de ce que disait le médecin inspecteur du travail. Donc, comment faire
pourtant, pour les soins qu'ils sont amenés à faire, forcément, ils voient un médecin traitant. Donc, malgré tout, la voie essentielle pour accrocher ces personnes-là, me semble-t-il, hein, c'est quand même le médecin traitant qui, à un moment ou à un autre, sera là pour les soins nécessaires dans ce type de pathologie. Donc, quelque part, il faut certes leur donner des informations de où sont-elles, ces informations, et d'autre part, structurer un environnement, comme ça a été dit, pour que, quelque part, il y ait un peu de la proaction, hein, que toute une série de personnes soient capables d'aller vers eux au moment où ils en ont besoin. Donc là, on ne peut pas vous donner un catalogue, mais vous voyez un peu l'idée. Hein. C'est à la fois qu'ils aillent chercher l'info et à la fois que toute une série de personnes les leur apportent quand il le faudra. Oui, c'est bien ça, Gérard. Et puis là, donc, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie, donc la CNAM, qui assure la communication auprès des professionnels de santé en Outre-mer. Et notamment, voilà, au-delà du fait de leur réexpliquer le parcours et les démarches, des flyers vont être mis à disposition des professionnels de santé. Enfin, c'est sous forme d'affiches. Hein. Ils puissent mettre ça dans son cabinet, afficher ces documents dans son cabinet qui incitent en quelques phrases, hein, vraiment très didacticielles aussi, vis-à-vis du patient, lui dire si vous pensez être potentiellement victime d'une maladie professionnelle, avoir été exposé à une maladie professionnelle, voilà, parlez-en à votre médecin. Ça va être ce style de messages qui sont en cours de réalisation. Il faudra vraiment que ça soit extrêmement simple. C'est vraiment très important parce que sincèrement, je crois qu'il faut aller sur place pour se rendre compte des difficultés et c'est exprimé vraiment par les gens sur place. Hein. Il y en a même certains qui ont du mal avec la lecture. Donc, c'est compliqué et c'est vrai que c'est bien. J'ai eu une réunion avec l'association là, qui va aller aux Antilles, enfin, en Martinique pour l'instant et après en Guadeloupe, ils vont former quelqu'un sur place. Et c'est vrai que ça sera important qu'il y ait une personne sur place qui puisse apporter l'information orale aux gens. Et même les médecins, pour mobiliser, je pense que doit être la même chose en métropole, hein, pour mobiliser les médecins à des réunions, c'est compliqué. Moi, j'ai passé 3 ans là-bas. Pour les mobiliser, pour leur parler maladie professionnelle, pour l'avoir fait en Guadeloupe et avoir sollicité l'URML, le conseil de l'ordre des médecins, et quand on a 15 personnes dans la salle alors qu'il y a 350 médecins généralistes sur l'île, ça fait juste. Donc c'est vraiment important que les ouvriers agricoles aient une information plus orale qu'écrite. Hein, et si les flyers, c'est intéressant aussi, hein, ça sera à mettre aussi dans les services de santé au travail, mais il faudra vraiment qu'ils soient extrêmement simples. Oui, tout à fait d'accord. Et le fait d'avoir obtenu, entre guillemets, l'accès aux travailleurs sociaux pour une sensibilisation, formation qui devrait avoir lieu en 2022, ben je pense que ça va être salvateur, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens sur le terrain qui vont d'un côté être en liaison directe avec les patients, les assurés, et de l'autre pourront aussi alerter leur caisse, le service médical, les services médicaux des caisses, etc. Oui, je pense que voilà, ils vont être des relais primordiaux sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour ce dispositif. Tout nouveau. Parce que l'attente est très forte hein, aux Antilles vis-à-vis de ce fonds, ça c'est certain. Oui. Mais elle est forte, mais elle se traduit pour l'instant par rien, par aucune déclaration. Donc c'est le côté étonnant quoi, de la chose. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a la période Covid qui a en fait tout,
Au niveau communication, ça a été un peu compliqué. Voilà. Mais ça se met en place. Il y a un plan de communication. Voilà, il y a du retard, mais ça se met en place. Ouais. Et la bonne nouvelle, c'est la lettre ministérielle, je trouve, pour les salariés agricoles de oui. CGS qui vont pouvoir bénéficier des tableaux. En direct, donc, oui. Je veux dire, on va gagner du temps et on va faciliter les reconnaissances. Oui, mmh. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Après, il faut que les gens fassent la démarche quand même, de toute façon. Complètement, complètement. Tout à fait. Alors, j'aurais une petite question. Alors, 2022, pour la formation proposée aux travailleurs sociaux, est-ce qu'il y a une date plus précise? Ou bon, pour l'instant, c'est vraiment prévisionnel 2022? C'est prévisionnel, madame. Oui, d'accord. C'est prévisionnel. Mais on a un accord de principe. D'accord. Et l'accord de principe, c'est de faire, évidemment, un interrégime avec la CNAM, bien évidemment, pour pouvoir intervenir sur les différents points, enfin sur la démarche, expliquer ce qu'ils peuvent, quel va être leur rôle, entre guillemets, et pour qu'ils leur redonnent l'information juste sur le terrain. En tout cas, ils peuvent être proactifs, dans le sens où quand on est travailleur social et bien informé de la démarche, on peut aussi d'abord informer l'assuré, salarié ou salarié, et venir aussi auprès des médecins traitants, si voilà, ça peut aussi créer un lien. D'accord. Ben, en tout cas, merci beaucoup. C'est vrai que je pense que, comme disait le docteur Jahan, c'est vraiment une information nécessaire et il est vraiment important qu'elle puisse arriver au public concerné. Ça a été en tout cas un plaisir de vous recevoir puisqu'on va devoir passer à la prochaine conférence. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Et puis, nous espérons peut-être vous recevoir toujours avec cette même présentation. Si vous êtes d'accord, au mois d'octobre, on a eu l'occasion d'en parler rapidement, mais peut-être dans le cadre du village virtuel où là, effectivement, il est ouvert au public et ce qui permettra d'apporter aussi cette information oui, plus que nécessaire sur nos territoires. Et comme le docteur Jean, je suis effectivement surprise de voir au regard, en tout cas en termes de communication autour de la chlordécone, enfin, de tout ce qui se passe hein, sur notre territoire, qu'il n'y ait aucun dossier qui ne soit encore remonté au niveau des différentes CGSS, notamment au niveau des Antilles. Donc, merci beaucoup en tout cas. C'est pour ça que tout est à faire. Merci pour votre accueil et votre écoute. Merci beaucoup. Merci Pascal, merci Gérard, merci Madame Maison. Et bon courage. Merci, au revoir. Puis, bonne soirée à vous. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt à la fin de l'année. Au revoir. Oui. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.